Good morgen, allez, Yiden, les tueurs aujourd'hui, le Nishmat, Moriver, Bishmoel, Benjlom, Zalman, Nissim, Ben Ahuda, Sarah, Batrana, Rachel, Shomo, Ben Esther, Risha, Batrim, Nechemia, ainsi que Nirfouat, Avraham, Uri, Ben Reout, Betor, Charol, Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de deux Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions à Sechet Zvachim, Zvachim, Periktet, Mishnah, Vav. Vechulam, Shepak'u, Me'al Gabei, Amizbeach, Lo Yachazir. Vechen Gachelet, Shepak'a, Me'al Gabei, Amizbeach. איברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם לחצות יחזיר ומועלין בהן, לאחר חצות לא יחזיר ואין מועלין בהן. D'abord un mot qu'on va voir après qu'on a dans la Mishnah, c'est le mot pak'u. Ils ont sauté. Regardez la traduction du Bartanora. Pak'u, me'al ha-mizbeach, depuis le mizbeach, la aretz. Il traduit, rapporte un mot en laz, en français ou italien, je ne sais pas. Esclatir, c'est-à-dire que ça a éclaté, j'imagine. C'est fréquent quand on fait des grillades. Des fois, il y a un bois qui se met, on entend un pack, et il y a une braise qui va sauter, un morceau de viande même, parfois qui peut même sauter, ou bien même, ça revient même, si c'est un Cohen qui a mal manipulé le Misbéar, il était là-bas sur le bûcher du Misbéar, il était en train d'organiser de la viande, il a fait une mauvaise manipulation, il a fait sauter un bout de viande qui est tombé par terre, c'est le sujet de la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui tombe par terre, est-ce qu'on le ramène sur le Misbéar? Trois, quatre figures. Il y a la première partie de la Mishnah, c'est par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début du Pérec, à savoir les Olim, les membres qui ne devaient pas monter en théorie, mais qu'on a fait monter a posteriori, qu'on devait quand même faire brûler. La Mishnah l'enseigne en disant des Cholam, je sais pas quoi, mais Al-Gabé, Amisbeach. Tout ce que je t'ai enseigné maintenant, ces choses-là qui ne devaient pas monter, et que finalement ils sont quand même, montés, ou bien même les derniers cas avec l'Atsamot, Gidim, et Cholé. Et. Ce qui s'est passé, c'est que, donc d'accord, on a eu des membres en fait qui sont montés sur le Misbéach, qui ont finalement sauté, mais qui ne sont pas de la viande consommable. La viande consommable sera la dernière partie de la Mishnah. Donc, tous ces membres-là qui ne devaient pas a priori monter, qu'on a quand même fait monter sur le Misbéach, si toutefois ils ont sauté, ils ont éclaté, il y a eu un pack, et ça a sauté du bûcher du Misbéach et c'est tombé par terre, la Mishnah m'enseigne lo yachazir. Littéralement, il ne les remontera pas. Le Bartanor explique « en tsarich l'arzir », il n'y a pas d'obligation de les remonter. Machma qui aussi veut les remonter, il pourrait les faire remonter, il y a un problème, ça contredit la Mishnah, mais je ne préfère pas alourdir ça tout de suite. À la fin de la Mishnah, une fois que nous revenons d'expliquer la suite, on viendra sur ça, il y a un problème, il y a une certaine contradiction avec la Mishnah d'Alet, on expliquera ensuite. D'accord, pour le moment, donc ce qu'on a retenu, la notion elle est très simple en elle-même. La Mishnah donc m'a enseigné, si toutefois un membre qui ne devait pas monter a priori, il était sur le Misbéach, il a sauté, il est tombé par terre. Je n'ai plus j'ai pas besoin d'aller le remonter. Ok. Idem encore. Vechen gachelet shepaka me'al gabei ha-mizbeach. Idem pour une braise qui a sauté du misbeach. Elle a fait, elle aussi, elle a un peu éclaté, elle a explosé, elle a éclaté. Elle a sauté du misbeach. Il n'y a plus besoin, pas d'obligation de la remonter. À la différence de la viande qu'on va voir tout de suite, la Mishnah me dit. Evarim shepaku me'al gabei ha-mizbeach. Par contre, si c'est des membres qui devaient a priori monter sur le Misbéach, c'est le devoir. C'était une Ola, il fallait faire monter les membres. C'était toutes sortes de korbanot, il fallait faire monter les graisses. Alors la Mishnah m'enseigne quelque chose d'original en me disant « Kodam al-Khatzot et Chazir, ou Moalin Bohem. »« L'achar al-Khatzot lo yachzir ven Moalin Bohem. » Et deux al-Khot. Deux cas de figure qui font deux fois deux. On va parler de membres que... Si on est avant Chatzot, la Mishnah me dit, si on est avant Chatzot, avant la moitié de la nuit, alors Yachazir, il devra les faire remonter. Et une autre halakha qui dépend de ça, au Moalin Bahem, on transgressera l'interdit de Meila, de faire un sacrilège, si toutefois donc on a utilisé on a tiré un profit de cette viande. Par contre, les Achar Chatzot, lo Yachazir, si ça s'est passé après Chatzot, que le morceau de viande, il a sauté du Misbéach, il est tombé par terre, donc on est après Chatzot, la Mishnah m'enseigne, lo yachazir, il n'aura pas besoin de le faire remonter sur le Misbéach, ve'en mo'alin ba'em, et il n'y aura plus d'interdit de Meila. On explique très brièvement, après on va revenir dans les mots, et on explique aussi le Bartenora qui va nous rajouter plein de... D'abord, je reprends la notion qui est véhiculée dans la Mishnah. Il y a deux halakhot. Il y a tout d'abord, est-ce que j'ai un devoir de remonter un morceau de viande? Laissez le sujet de la Meila de côté pour le moment. D'abord on explique, on va s'intéresser au sujet en soi-même, est-ce qu'il faut refaire remonter sur le misbéach ce morceau de viande ou non. Vous savez bien que tous les korbanot, il y a une mitzvah de prendre
des parts et de les faire monter ensuite sur le misbéach et de les brûler chaque corban selon ses règles. Est-ce que ce sont que les graisses ou est-ce qu'il y a encore d'autres parties de, comme c'est pour le cas de la hola? D'accord? Donc les morceaux, il y a une mitzvah de les faire remonter sur le misbéach. Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de savoir, il y a eu un morceau de viande qui a sauté, qui est tombé par terre. Est-ce que tu dois le remonter? En théorie, tu as une mitzvah de le faire remonter. Et la Mishnah, elle me fait un distinguo un peu original en disant, si c'est avant Khatzot, tu fais remonter, si c'est après Khatzot, eh ben tu les laisseras dehors. De quoi on parle exactement, c'est pas clair. Le Bartanoura nous fait de l'ordre, il va nous distinguer trois cas de figure. Et il y a le cas où la viande, elle a été parfaitement consommée. Et ce qui a sauté, c'est devenu une braise. C'est plus du tout consommable, c'est plus de la viande. Là, même si on est avant Khatzot, ce ne sera plus la peine de faire remonter, ça y est, tu as accompli la mitzvah de le brûler. On t'a demandé de le carboniser, de le faire remonter, de le carboniser, tu l'as fait, c'est parfait. Il n'y a plus besoin de le faire remonter. Ça, c'est quand ça a complètement cramé, même si tu es avant Khatzot. Il y a encore un autre cas, c'est le cas où la viande, elle a sauté alors qu'elle était encore fraîche. Il y avait dedans de la viande qui était franchement bien consommable, qui pouvait être mangée parfaitement, qui n'a pas changé d'allure. Dans ce cas-là, même si tu as pris Khatzot, tu devras le faire remonter. Parce qu'en théorie, même on a toute la nuit pour faire brûler les parts qui reviennent au misbéach. La Mishnah ne parle que d'un cas particulier. Elle parle d'un cas où la viande elle a commencé à être consommée, elle a séché à l'intérieur, mais elle a encore de la viande. Vous voyez comme des fois on peut cramer un plat de viande où finalement la viande elle est encore consommable, elle a plus son bon goût. Elle est chez moi à la cuisine, ça arrive très fréquemment. La viande elle est encore consommable, elle a encore une allure de viande. Mais elle n'a plus du tout le goût agréable de la viande, elle a commencé à être carbonisée. Elle est devenue toute sèche à l'intérieur. Mais elle est quand même mangeable, ce n'est pas du charbon. Dans ce cas-là spécialement, la Mishnah me fait une différence, elle me dit ça dépend. Si tu as avant Khatzot, tu le refais monter parce que c'est encore de la viande consommable. Si tu as pris Khatzot, tu ne feras plus remonter. D'où ça vient cette différence entre Khatzot ou pas Khatzot? Alors, le Bartanoura nous rapporte un pasouk qui me dit Hiyaola asher al mogda kol alayla, je sais plus comment c'est dit, kol alayla ad haboker. Elle devrait être toute la nuit jusqu'au matin. Logiquement, quand c'est toute la nuit, ça veut dire que c'est jusqu'au matin. C'est quoi cette insistance de me dire toute la nuit jusqu'au matin? Chachamim ont déduit, donne-lui un deuxième matin. Ça veut dire un pré-matin. Le pré-matin, c'est quoi? C'est que depuis la moitié de la nuit, on commence à se diriger vers la moitié de la vers le jour. Ça, c'est le point de Khatzot, la moitié de la nuit. La première moitié de la nuit, on s'enfonce dans la nuit. Deuxième moitié de la nuit, on commence à se relever de la nuit. On est en direction du jour, d'accord? Donc, les Khachamim nous ont dit comme ça, écoute, c'est de là qu'on va apprendre, on va prendre ça à la route là. Le point de Khatzot va me délimiter pour me dire la viande qui est un crème grillée, asséchée, mais encore consommable malgré tout. Avant Khatzot, tu l'as fait monter, après Khatzot, tu l'as fait plus monter. C'est clair? Là, maintenant, on a expliqué les 3-4 figures de viande. Avec, et maintenant, on va expliquer c'est quoi l'interdit de Meïla. Principe très simple, il y aura une macérette, non mais macérette Meïla, on expliquera tout dans les détails, mais le principe il est très simple. Meïla, c'est faire un sacrilège. De manière générale, ça veut dire quoi faire un sacrilège? Ce qui revient à Hachem, au Misbéach, tu tires un profit, tu transgresses l'interdit de Meïla. Tu tires un profit de ce qui ne te revient pas. Ça appartient à Hachem. Comme on peut voler de son prochain, ouais, alors quand on vole d'Hachem, ça s'appelle qu'on fait un sacrilège. C'est le principe général. Et tirer profit et manger. Il y a une règle. On ne fait Meïla, on transgresse l'interdit de Meïla que face à quelque chose chez Lo Neesa Mitzvato pour le moment. On n'a pas encore fait sa mitzvah. Il y avait de la viande qu'il fallait faire monter sur le Misbéach et tu t'es mis à la manger. Mais si la viande va, on a déjà fait la mitzvah, alors il n'y a plus d'interdit de Meïla. Il y aura d'autres interdits de profiter du Kodesh alors que tu ne devais pas en profiter. Mais l'interdit de Meïla, le grave interdit de faire un sacrilège sur lequel on est passible d'amener un korban, Hacham Meïlot, alors on ne transgressera plus. Ok, c'est clair, la notion est claire. De ce fait, la Mishnah, elle vient, elle me dit, c'est très simple. Si toutefois, le morceau de viande qui a sauté, il est tombé par terre, tu dois le ramener sur le misbéach, ça s'appelle que l'ona asa mitzvato. Tu n'as pas encore fait sa mitzvah. Tu n'as pas fait sa mitzvah. Si tu tires profit, tu transgresses l'interdit de Meïla. Si toutefois, tu n'as plus besoin de le faire remonter, donc na asa mitzvato, ça a été assez grillé sur le misbéach, ça suffit. Et bien dans ce cas-là, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. De ce fait, je reviens avec le cas intermédiaire de la viande qui est asséchée, pas complètement carbonisée. Si tu as avant Khatzot, tu as le devoir de la faire monter sur le misbéach. De ce fait, tu te mets à la manger, tu transgresses à l'interdit de Meïla. Si tu as pris Khatzot, il n'y a plus de devoir de la faire remonter sur le misbéach. Si tu la manges, tu transgresses plus de l'interdit de Meïla. On refait ça tout de suite dans les mots, et puis après on revient sur la première partie de la Mishnah maintenant. Evarim Shepako me Algabe Misbéach. Les membres qui ont sauté depuis le misbéach, les membres qui devaient être consumés par le misbéach. Kodam la Khatzot, si on est avant Khatzot, Yachazir, tu as le devoir de les rapporter, parce qu'on parle que c'est un membre asséché, mais pas carbonisé.
Ou moi, l'inbaen. Et de ce fait, si tu vas le manger, tu vas transgresser l'interdit de Meïla. À la différence de l'Eachar Chatzot, si ça va se passer après Chatzot, après la moitié de la nuit, l'Oyachazir, tu n'as plus le devoir de le rapporter, parce qu'il a déjà été quand même grillé. C'est plus de la viande fraîche. Même si elle a été carbonisée. Et dans ce cas-là, ve'en mo'alin ba'en, et on ne transgressera plus l'interdit de Meïla, puisque tu n'as plus de devoir de le faire monter sur le misbéach. Donc, Gvar na'asa mitzvato, il a déjà fait sa mitzvah. Maintenant, on remet le zoom sur la première partie de la Mishnah. On apprenait quoi dans la première partie de la Mishnah? D'abord, je vous rappelle, dans la Mishnah d'Alet, on avait appris là-bas une grande règle. Que, certes, lorsque tu prends un membre qui ne doit pas monter sur le misbéach, si tu es monté sur le misbéach, tu te retrouves déjà là-haut, ne le fais pas descendre, ce n'est pas digne. À misbéach, Mekadash est un raouilo. La grande règle. Le misbar sanctifie ce qui lui revient, jette-le au feu. Mais on avait appris dans cette même Mishnah d'Alet que si toutefois, par erreur, par inadvertance, le Kohen étourdi, il a redescendu le morceau. Bon, alors là, on va lui dire, écoute, si déjà tu es revenu en bas, c'est plus la peine de le refaire monter. D'accord? Ça, c'est ce qu'on apprenait dans la Mishnah. Et c'est plus la peine, et c'est même interdit de le faire remonter. Parce que t'as pas de mitzvah à faire. Alors, on avait un petit peu illustré ça. Ça semble à quoi? Ça semble que t'as fait rentrer quelque chose qui n'était pas super bien devant le roi. Tu l'as amené à table, laisse-le, tu vois, tu vas pas retirer un plateau de devant le roi, c'est pas digne. Mais si toutefois le plateau est de toute façon revenu en cuisine, alors ne lui rapporte pas de la nourriture désagréable, c'est pas digne non plus. D'accord, c'était le principe. De ce fait, la Mishnah nous pose un problème. La Mishnah elle-même, elle pose pas de problème. Le Bar Tanoura, il nous pose problème. Mais le Bar Tanoura, il parle en rapport avec la Gemara. Parce que le Bar Tanoura, il nous dit comme ça, il nous dit que si toutefois tu as fait monter ce fameux membre qui n'était pas digne et qui a sauté depuis le Mizbeach, la Mishnah m'a dit, Lo yachzir, tu ne le ramèneras pas. Et le Bartenray, il rajoute un mot, il nous dit, En tsarir l'arzir, il n'y a plus besoin de le rapporter. Tu n'es plus obligé de le faire remonter. Mais mashma, que si tu veux le faire remonter, tu pourras le faire remonter. Et ça contredit la Mishnah d'Alet. Et en fait, je vous donne le principe, c'est très simple. Par rapport au din de Olim, lorsqu'on prend les membres qu'on a fait monter sur le Mizbeach, il faut différencier deux cas de figure. Il y a le cas où je me retrouve devant le feu, mais je n'ai pas encore jeté au feu. Et le cas où j'ai déjà jeté au feu, que le feu il a déjà commencé à bien le griller. Il y a une différence essentielle, c'est Oula qui enseigne là le din des Olim dans la Gemara. On raconte dans deux endroits dans Zvachim au moins. Et il nous enseigne comme ça. Il nous dit, écoute, la Mishnah d'Alet, elle m'a parlé des membres que je suis arrivé devant le feu, le bûcher, et que je n'ai pas encore jeté au feu. Sur ça, elle me dit, si toutefois tu es devant, jette-le au feu. T'es redescendu, ne les remonte plus. Ça, c'est la Mishnah d'Alet. Dans la Mishnah Vav, on parle d'autre chose. On parle comment, mais il était déjà en train de griller et le feu, il a commencé. Mashla Bahena Ouvre, c'est la chose de la Gemara. Le feu, il a déjà commencé à bien le prendre. Et il y a eu un accident, il a sauté. Puisqu'il était dans le feu, cette fois-ci, le Mizbeach et le Mikadesh, que si tu veux, tu peux le remonter. Tu n'as plus d'obligation, parce que tu n'as plus de mitzvah, tu n'as jamais eu de mitzvah de le faire monter. Mais malgré tout, il n'y a plus d'interdit, parce que le Mizbeach, Behemet, il est Mikadesh, est à Raoulo cette fois-ci, très fortement, parce que ça a déjà été jeté dans le feu. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sarah.